Alaya, c'est ici. Là, j'ai 73. 73 et 24. Là, t'as un petit repère? Saint-Christine. Ouais, tu peux aller dire direction Bastia tout de suite. Ouais. Bah, t'en rajoutes 10 là. Non, 15. Bastia Recto, j'ai 143 francs. Tu vois? Bon, bah, non, mais. C'est pour tout paquet de la neige, du coup, là, du tour. Du tour, la première, ouais. De toute manière, faut quand même qu'il fasse ce bout-là. Faut pas qu'on fasse ça. Faut qu'il fasse d'abord le bout-là. Faut qu'il reconnaisse toute l'étape. Faut qu'il reconnaisse toute l'étape. Mais on va faire notre circuit ici. On va faire ça, on sera un bon échange. On fait ça, et puis après, on part sur la route du tour. 50 minutes. On part 9h30, 9h? La revérifie. On va sûrement faire un sprint ici pour Nasser. Et puis on va en faire un autre. On va en faire un autre ici, je pense, par là. 41. Et ben 41 voilà. Et 17. Ouais, 41 là. Pareil, voilà, ils vont faire 35 bornes. Voilà, ça fait une heure. Au bout d'une heure. Une heure. 41 et 17. Ça fait 60. Ça fait 50. On va repartir de zéro là. On va repartir de zéro, tu sais pas chier. Ah ouais, pour. Bah, tu sauras, tu repars de là. C'est vrai que de reconnaître une étape, c'est primordial parce que tu vois où tu mets tes roues, quoi. Tu vois où tu mets tes roues et la carte, c'est bien joli, mais quand tu peux la faire en réel, pour les mecs, c'est quand même, ils ont des points de repère qui sont hyper importants, quoi. Hyper importants. Tu vois le petit détail, tu vois la petite chicane, tu vois la petite côte, tu vois tu vois plein de choses, en fait. Tu mémorises, tu fais, tu visualises tout ça et c'est dans le disque dur, quoi. Et c'est vrai que le jour J, ça t'aide énormément. Je repère surtout un peu les montées, c'est les montées, mais surtout les descentes. C'est là souvent que ça va se faire aussi, donc je repère sur tout ça, mais sinon je rate juste les points stratégiques. Après je me dis pas dans 7 mois on sera là, j'ai du mal à me projeter vraiment dans le tour dès le début de saison. Sur une course on fait un très bon résultat ou on gagne la course, forcément quand l'année d'après, quand on revient, on a une motivation différente, on sait que la course en fait, nous appartient un petit peu aussi. Tout ça c'est un petit peu dans la tête, quoi. On est peut-être plus à l'aise dans sur des parcours qu'on a affectionnés ou on a fait des résultats. Que parfois quand on arrive sur des parcours on découvre. C'est sûr que c'est plus facile quand on connaît le parcours, hein. C'est clair, quoi. Les sprints qu'on devait travailler en début de sortie, donc ça a été, mais bon, c'est vrai que là sur la fin le temps était vraiment pas idéal pour reconnaître l'étape. Oui, mais enfin la pluie c'est pas trop grave, il fait 2,5 degrés avec la semaine qu'on a fait, on a bien bossé toute la semaine. Il n'y a qu'aujourd'hui où on était un petit peu contrarié avec le temps. Le terrain de jeu c'est la rue, hein, c'est la route, et voilà, mais ça fait du lustre, ça existe et on s'adapte à la circulation, on s'adapte au danger. Même si ce n'est pas tout à fait raisonnable tout le temps, mais on ne peut pas non plus mettre la gendarmerie à notre disposition sur toute la route, quoi.